Les portes de la nuit. Jacques Prévert. Ah, te voilà. Sénéchal, me voilà. Tu pourrais au moins m'épargner cette stupide plaisanterie. Oh, je t'en prie, papa, c'est pas une plaisanterie, c'est de l'humour. Oh, l'humour. T'es pas quoi? T'es pas content de me voir, après 2 mois d'absence? Mais si, voyons. Au contraire. Eh ben, profites-en parce que je fous le camp. Tu pars? À l'aube. Où tu vas? En Espagne. Là-bas, j'ai des amis, moi. Vrai! Tandis qu'ici, les carottes sont cuites! Carottes sont cuites? Ce serait trop loin d'expliquer. Enfin, tout à l'heure, j'ai vu des gens bien renseignés. Crois-moi, ils m'ont prévenu très aimablement. Je suis grillé, papa! Mais alors, grillé, un vrai mocave! Alors, savoir commencer les ennuis. Oh non! Rassure-toi! Ici, dans le quartier, je suis irréprochable. Exemplaire. Ils n'ont rien à craindre de ce côté-là. Enfin, pour le moment. Seulement ailleurs, sous d'autres cieux, sous d'autres noms. C'est pas la même chanson. Pauvre enfant. Ah non, je t'en prie. Pas la peine de faire le pater de Rosa. Au fond, tu t'en balances? Tu penses qu'à toi? Qu'est-ce qu'on te reproche, au juste? Au juste, abattage clandestin et dans le dos encore. Hein? Oui, on m'accuserait probablement aussi d'avoir prêté la main à différents interrogatoires un peu mouvementés. Et ainsi de suite, quoi. Après tout, tu n'as fait que ton devoir. Tu as agi selon tes idées. Qui étaient aussi les tiennes à l'époque. Je dis pas le contraire. Mais mon petit, à quoi bon se casser la tête contre les murs? Quand le monde évolue, le mieux c'est tout de même d'évoluer avec lui. Bon, je comprends que tu sois un peu... démoralisé. Démoralisé. Tu sais, papa, 12 balles dans la peau, c'est pas la mort d'un homme. Mais dans le fond, ce que je voudrais pas, c'est que les autres, ils me possèdent, ils me jugent, ils me rient au nez, ils me traitent de dégueulasse, même si c'est vrai. T'entends, papa? Même si c'est vrai. Parce que ça, je pourrais pas le supporter. N'importe quoi, mais pas ça. Après tout, est-ce que c'est de ma faute à moi? J'ai pas demandé à vivre! Pas fait la queue pour avoir un permis! Je suis né comme ça! Pour rien! T'entends? Pour rien! Jusqu'à ma mort, que je peux même pas choisir! Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une mort heureuse! On a parlé. Qui a parlé? Il y a quelqu'un sur le palier. Qui est là? Oh, je t'en prie, bouge un peu! T'es là, figé au garde à vous! On sera au musée Grévin. Je me déteste. Hein. Et tu me le rends bien? Comme ça, rien n'est perdu dans la famille? T'es de là? Ça alors, papa? C'est à croire que tu avais prévu le triste sort du pauvre voyageur. Laisse ça, c'est sacré. Ça appartient à ta sœur. À ma sœur? Ah non. Ce genre de boniment. Trouve autre chose. Parfaitement, ta sœur. J'ai revu ta sœur. Traverse une période pénible. Pénible, c'est le mot. Bien sûr. Bien sûr. C'est une somme qui avait été mise de côté pour elle. Je te préviens. D'accord, papa. D'accord. Rends-moi cet argent. Rends-le-moi. C'est pas tellement pour l'argent, c'est pour le principe. Le principe, c'est le mot. Mais d'ailleurs, tu en gagnes de l'argent. J'en dépense, surtout. Sans compter. Et toi, tu comptes sans dépenser, ça rétablit la balance. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon argent? Ma parole,
Vous oubliez que je suis qu'un modeste petit entrepreneur de démolition. Et la guerre aussi, c'est une entreprise de démolition. Hein? Et qui rapporte? Tu ne peux tout de même pas dire le contraire. T'es un vilain petit monsieur. T'entends? Un vilain petit monsieur qui essaye de faire chanter son père. Peut-être. Mais son père ne devrait pas oublier qu'il se l'est même vilain petit monsieur qui l'a fait sortir de Drancy. T'as intérêt de maîtriser tes paroles! Je vais prendre des gants peut-être pour te dire ce que je pense. T'entends? Un ladre! Un lamentable individu! Je t'interdis, t'entends? Mais alors tu m'interdis, non mais alors là! Non mais de quoi se marrer? Non mais alors vraiment! Non! Mais le plus drôle, ce serait la tête que tu ferais si je te mettais dans le bain. Hein? Avant de partir. Tu ferais ça? Tu me dénoncerais? Oh mais j'en ai dénoncé d'autres! Eh bien, voilà qui est bon à savoir. Ça alors? Mais qu'est-ce que vous faites là? Chez moi, à part ailleurs! Alors comme ça, pour passer le temps, le héros dénonçait les gens. Et Raymond, l'écuyer, tu l'as dénoncé aussi héroïquement. C'est pas vrai. Je sais pas ce que tu racontes, ça tient pas en l'air. Te fatigue pas! J'étais là quand tu l'as dénoncé. Avenue Henri Martin, pour préciser, et tu riais! Je comprends rien, c'est pas vrai! Vraiment? L'avenue Henri Martin, ça ne te rappelle rien? Il s'agit sans doute d'un malentendu! Mon fils! Une telle accusation! C'est un garçon courageux, mon fils! Courageux, c'est le mot! Bien sûr. Mes compliments. Vous avez bien élevé votre môme. Votre môme? Je suis pas un môme, t'entends? Et je l'ai prouvé! Que tu dis? Que je dis? Ah! Bouge pas! C'est toi, Dudo? Ici Raymond! Ben alors, qu'est-ce qui se passe là? Pas grand-chose de propre! Ouvrez! C'est un ami, un locataire! Ah, pardon. C'est un bon gars, tu sais, Raymond. Mais si ça t'intéresse, c'est lui qui t'a donné. Y'a pas de preuve! Évidemment, jusqu'où là, vous pourrez dire ce que vous voulez. Eh ben, mon petit gars, je me doutais que tu m'avais à la bonne. Mais à ce point, écoute, tu me fais mal au cœur. Tu sais, hein, dans quel état ils m'ont mis là-bas. Et c'est pas seulement à ça que je pense. Aux camarades, aux autres, à ceux qui sont restés. C'est dégueulasse, Monty. Tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. T'es toi. Sois tranquille. J'ai rien à ajouter. Regarde ma main. Regarde ma main. Regarde. Non. Non. Tu vois? Ma main abîmée. Ma main abîmée. Oh, si je te la foutais sur la gueule, ça me ferait même pas plaisir. Ne l'accablez pas! Il a mal agi, peut-être. Mais il faut le comprendre. Son idéal était différent du vôtre. Et l'idéal, monsieur, tout de même. Oh, je t'en prie, papa, arrête de faire le guignol! Tu nous rends ridicule! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous en prie, mes amis. Montrez-vous. Humain. Humain, messieurs. Par exemple... Quelle est ma petite fille? Ma formidable! Ma sœur! Ah bah tu dis c'est vrai, papa. Elle est vraiment bien roulée, la frangine. Hein? T'imagines? Ça fait plaisir! Une vraie chercheuse d'or! Puis avec son... caïd, là! Va te taire, oui! Bah quoi? Si on peut plus parler à son beau-frère... Je vous en prie! Et puis d'abord, c'est pas difficile, vous êtes deux! Allez, allez! Restons pas là! C'est pas ça. Et puis je travaille, moi! Au chemin de fer! Tu connais, hein? Allez, venez. On boira là-bas quelque chose de chaud. Ça nous changera les idées. Et lui, alors? Puisque c'est défendu de se faire justice soi-même, hein?
Alors, faut pas donner le mauvais exemple. Écoute, môme, on va te laisser. Mais ne te réjouis pas trop, hein. T'es pas libre pour ça. T'es plus dans la course, t'es foutu. Et un jour, tu découvriras une petite larve dans ton genre qui te donnera, comme t'as donné les autres. Ah 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 porte, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'est mon frère. Merde. On peut dire que t'as de la chance. La chance, c'est mort. Mais qu'est-ce que tu fais? Demande-moi plutôt ce que j'ai envie de faire. Mon petit. Tu me vois, papa? Couché là, peinard, lavé, blanchi, épuré. Puis toi, papa, ouais, tu serais là. Oh, mais pas comme un guignol, non. Comme un père, ulcéré et digne. Ouais. Tu pleurerais peut-être. Ça te donnerait une contenance. Ça t'occuperait. Tu peux pas faire ça. Pas si, en tout cas, rassure-toi. Où tu vas? Si je le savais, je te le dirais.